ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de vidéo, alors je me suis dit que j'allais vous présenter mes deux dernières acquisitions chinoises. C'est des Jinhao 82, qui sont, si j'ai bien compris, des plus ou moins copies des Sailor Pro Gear, qui valent bien sûr beaucoup plus cher. Alors ça, le Jinhao 82 sur AliExpress, ça vaut 3,50€ livré. Depuis la Chine, comme vous pouvez le voir, là j'en ai deux, un blanc très élégant et l'autre un peu rose, un peu girly que j'ai prévu d'offrir. Donc ils arrivent avec une plume bicolore douce mais raide. Sur celui-là, sur le blanc, j'ai changé la plume pour une plume Fountain Pen Revolution Flex, que j'avais sur un autre stylo qui a cassé depuis, et qui est très douce et en plus souple et qui fonctionne très très bien, donc ça s'échange sans aucun problème. Ça se dévisse au début, et puis après on tire un peu, et puis ça marche. Vous voyez, ça se dévisse, hop, hop, voilà, et il y a un petit support qui contient la plume et le feed, et l'alimentation, et... Donc voilà, ça se revisse de la même façon. Il faut bien visser parce que sinon il peut y avoir des fuites. Donc à l'intérieur, il est fourni avec un convertisseur. Il y a un petit O-ring ici pour faire l'étanchéité, en particulier si vous voulez l'utiliser comme eyedropper. Donc ça doit être possible, je n'ai pas essayé. Donc celui-là, je ne vais pas faire joujou avec puisque je vais l'offrir. Vous voyez, il y a au moins une vingtaine de couleurs et de textures différentes. Certains se plaignent que leur plastique a cassé. Ça peut arriver à 3,50€, pourquoi pas. Je soupçonne qu'ils ont dû être un peu sauvages aussi sur le fait de les défermer. Il n'y a pas besoin de les serrer fort. Il y a un joint d'étanchéité à l'intérieur qui fait que la plume ne séchera pas pour éviter justement, bah, comme sur les Sailor. Qui sont réputés pour ça. Vous voyez, c'est quand même assez joli. Les matériaux brillants et les petites étoiles dans le rose sont très jolis. Le blanc ici, je trouve qu'il a un côté un peu crémeux, très élégant. Et il écrit excessivement bien. Donc c'est de la même façon que l'autre. Il est fourni avec son petit convertisseur. Et donc, comme je vous dis, il y a une plume... Il y a une plume monochrome ce coup-ci qui elle est fendue sur toute la longueur, qui est une plume flex. Je vais vous faire un petit topo dessus. Hein. Une plume flex. Donc c'est une plume FPR. Ancienne génération. Elle doit avoir au moins 5 ans cette plume, donc et vous voyez, elle marche super bien, elle est très douce, très agréable. Donc voilà, c'était pour vous présenter ça. Je vais quand même le faire un petit truc. Donc ça, c'est des petits stylos, c'est le même gabarit, alors donc que le Pro Gear, mais aussi que le M400 de Pelican. Vous voyez, c'est vraiment proche en diamètre, juste à la fin c'est un peu plus fin sur celui-là, même genre de capuchon plat, et donc ça voilà, c'est ce genre de gabarit là. C'est beaucoup plus petit que beaucoup d'autres stylos. Bon, si je prends Pilot Custom Heritage 91, c'est sensiblement plus petit. Pourtant, le 91 n'est pas vraiment. C'est le plus petit format chez Pilot. Donc voilà, ce sont des petits stylos, vraiment des stylos à mettre dans la poche, littéralement. Ça vaut 3,50€ et c'est quand même un tout petit peu plus agréable que d'autres stylos ou même qu'un Lamy Safari, c'est un peu plus élégant à emmener à la fac ou au boulot. Vous pouvez les prêter, on vous les casse ou on vous les perd, bah tant pis, 3,50€. La Poste m'en a perdu un, j'en ai juste recommandé un, je ne me suis pas pris la tête à essayer de me le faire rembourser. Donc voilà, ça c'était le Jinhao 82, 3,50€ sur AliExpress, plein de couleurs différentes. Franchement, on aurait tort de ne pas se faire plaisir. Allez, au revoir.